Bonjour, frères et sœurs. Aujourd'hui, en parcourant l'actualité, j'ai été agréablement surprise de voir que la Côte d'Ivoire est première dans tous les domaines. Les résultats scolaires des enfants sont passés du simple au quintuple. Entrée en sixième, 100% de réussite. BEPC, 100% de réussite. Bac, 100% de réussite. Et sur l'étendue nationale, hein, licence, 100% de réussite. BTS, tout ce qui est examen en Côte d'Ivoire, en partant du primaire jusqu'au plus haut sommet, 100% de réussite. Alors je ne comprenais pas. J'ai dit, mais quel est ce miracle? Et c'est après que j'ai compris pourquoi. Les gens ont cassé des papots sur l'intimité de certaines personnes. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tout le monde, du primaire jusqu'au plus haut niveau à l'université, quand ils ont passé leur examen, la question principale, la question fondamentale, c'était de savoir, est-ce qu'ils savent que telle personne a couché avec telle personne? Et ils ont tous répondu oui. C'est pourquoi ils ont tous été admis. Mais la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. Chose encore plus étonnante, l'indice de développement est passé à un niveau vraiment incroyable. Tous les villages ont été électrifiés parce que l'UNESCO, quand l'UNESCO a su que la Côte d'Ivoire avait eu 100% dans tous ses examens grâce à ses cassements de papeaux, la Banque mondiale, toutes ces organisations ont donné de l'argent à la Côte d'Ivoire. Ce n'était pas des prêts, hein, gratuits. Parce que la Côte d'Ivoire s'est hissée au sommet en tout. Tous les villages sont électrifiés, même les plus petits campements sont électrifiés aujourd'hui, grâce à ce cassement de papeau, grâce à ce que tout le monde sait aujourd'hui que tel a couché avec tel, et puis tel a trompé tel, et puis tel a fait ça, et puis tel a fait ça. Aujourd'hui, tout le monde sait ça. Merci beaucoup. Ah, je voudrais dire merci beaucoup à ces vidéomen et vidéowoman, quoi, blogueurs, ou bien je ne sais pas quoi, qui ont donné les informations sur l'intimité de X ou Y. Et ces informations ont fait qu'aujourd'hui, les femmes ne meurent plus en couche en Côte d'Ivoire. Le paludisme a été complètement résorbé. Toutes les maladies invalidantes ont disparu en Côte d'Ivoire grâce à ces informations-là. Alors, je voulais remercier ces personnes. Je ne citerai pas les noms. Elles vont se reconnaître. Toutes ces personnes-là qui ont donné les preuves que telle personne couche avec telle personne. Grâce à cela, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui un pays émergent. Et ces personnes qui ont cassé les papeaux là, grâce à elles, grâce à leur rapport, leurs propres parents, leurs mères n'ont pas le cancer, personne n'a le cancer dans leur famille, leur père n'est plus malade, leurs nièces ont eu du travail, il n'y a plus de chômage en Côte d'Ivoire. Grâce à ces cassements de papeaux, grâce à ces informations croustillantes qui nous permettent d'avoir le sourire. Aujourd'hui, tous les Ivoiriens sont heureux parce qu'ils savent que telle personne couche avec telle personne, la fille de telle personne fait ça et puis elle a trompé son mari. Et puis tout ça, là, grâce à vous, les Ivoiriens sont heureux aujourd'hui. Alors vous méritez une médaille. On doit vous décorer normalement. Qu'est-ce que le gouvernement attend pour vous décorer? Parce que vous avez facilité son travail. On ne peut plus se plaindre en Côte d'Ivoire. Tout le monde est heureux parce qu'on sait que telle personne couche avec telle personne, avec vos preuves. Oh, je suis vraiment fière de vous. Et je suis tellement fière de vous que je crache sur vous. Je crache sur vous. Des pères et des mères de famille qui se mettent devant leur caméra pour donner des informations dont on n'a rien à foutre. Personnellement, ça apporte quoi aux Ivoiriens de savoir que telle personne couche avec telle personne? Et vous êtes fiers. Vous êtes fiers de casser les papeaux, mais vous êtes dégueulasses, pitoyables. Vous donnez envie de vomir. Tellement vous êtes inutiles à la Côte d'Ivoire. Oui, vous êtes inutiles. Ces informations-là vont permettre à la Côte d'Ivoire d'avancer, n'est-ce pas? D'être première productrice dans tout et de transformer tout sur son sol. Pitoyable que vous êtes, dégueulasse vous êtes.